Hello tout le monde, ça est Lel, et on se retrouve pour une petite vidéo faite à l'arrache, en fait sur Xenoverse. Je viens de rassembler les 7 boules de cristal qu'il faut farmer comme un porc. C'est juste horrible, c'est vraiment le style de truc qu'on déteste dans le jeu, mais qui, dans les jeux qui est nécessaire, c'est du farm pur et dur. J'ai dû recommencer 50 000 fois les mêmes missions pour les avoir, et je me suis dit, autant montrer ce que ça fait quand on a les 7 boules de cristal, les vœux disponibles, etc. Et ça, c'est mon joli maître. J'avais Vegeta, mais j'ai jarté parce que j'arrivais pas à trouver une des âmes Z, je sais plus c'était laquelle. J'arrivais pas à la farmer, donc ça faisait chier. Donc, du coup, bah, je l'ai bazardé et j'ai pris lui, que je kiffe particulièrement de toute façon de base. Donc, bref. Donc, pour cette petite vidéo, on va invoquer Sheron. Ou Paruga, Paruga, je crois que c'est une Namek. Je sais pas c'est quelle en fait. Donc on va voir. Je vais aller où en fait? Ouais, c'est là-bas je crois. Et puis on fera peut-être une mission. J'ai fait la saga. Donc je vous ai expliqué que. Enfin, dans la dernière vidéo, on a fait la saga Freezer, il me semble en entier. Où j'avais vraiment chié. J'avais chié pas mal. J'ai enchaîné avec la saga Cell, que j'ai roulé dessus vraiment facilement. Je crois que j'étais level 35 et j'ai roulé vraiment dessus easy. Et là, j'ai fait la saga Boo. J'ai tenté. J'ai pas fait le premier fight. Je me fais complètement ouvrir. Du coup, j'ai commencé à farm les boules de cristal. Limite, dites-moi dans les commentaires, mais je vous ferai peut-être un. Ah, je vais vous montrer limite carrément après comment on fait pour le farmer. Ce sera plus simple pour ceux qui n'ont pas. Enfin, bref, donc du coup je suis passé level 50. J'aurais testé, je me suis fait D1 encore. Donc là on va retester après. Mais avec du soin, parce que du heal, parce que peut-être que là ça passera. Bon bref, en attendant, tu as essayé de vous cristal, veux-tu invoquer Sheron? Bah, donc c'est Sheron. Que va-t-il se passer? Suspense. Vous remarquerez que je suis extrêmement classe dans le raid. Le style c'est important. Bonsoir les lézards verts. Oh grand lézard vert. Je veux de l'argent, non, c'est à zéro. Je veux un objet rare. Je veux une tenue. Ok, alors en gros, j'ai plus ou moins été voir sur Internet. Je veux de l'argent, donc ça c'est. Je ne sais plus quelle somme. Je veux un objet rare, c'est le bâton là, qui grandit de Satan Goku. Je veux une tenue, c'est la tenue de Sayuki, quelque chose comme ça. Je veux plus de puissance, je ne sais plus. Ah si, c'est des. C'est des matériaux pour faire des âmes Z. Je veux grandir, c'est gagner un level qu'on peut faire qu'une fois, attention. Oui, je veux un vœu. Je veux une attaque. Attends, 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 attendez. Moi, je veux ça. Plus de personnages. Gogeta Super Saiyan 4. Lui, il va m'aider à faire des quêtes parallèles. Parce que je galère à faire les quêtes. Autant j'ai roulé sur la saga Cell. Mais je me fais complètement défoncer dans les quêtes parallèles de la saga Cell. Cherche la logique. Du coup. Qu'est-ce que je fais? Je suis à 3 minutes, 4 minutes de vidéo. Je vais vous montrer comment farmer les boules de cristal rapido. Ça prend 2 secondes. Donc directement aller en overling. C'est plus simple. Voilà. Alors ici, donc les parallèles en overling. J'ai farmé les 6 premières boules de cristal en fait en faisant celle-ci, l'explosion d'un mec. Vous savez quoi, on va montrer direct et on va profiter pour tester Gogeta. Ça va être drôle. Vas-y mon coco, tu peux le faire. Gogeta, où es-tu? Voilà. Oh mais apparemment ses stats sont pas si abusées que ça en fait. Ah bah non. Genre il est comme celle quoi. Why not?
Il a quand même un certain style. Autant j'aime pas Dragon Ball GT, autant que Vegeta. Il a ce style. Il y a un truc que je trouve dommage, c'est que le stade de Super Saiyan est super dur à tenir dans ce jeu, je trouve ça horrible. Donc, au final, je me bats. Oh putain, il est quand même. Au final, donc je me bats souvent sans Super Saiyan en fait. C'est pour ça que je joue pas beaucoup Goku, alors que c'est mon personnage préféré DBZ, mais. Enfin DB. Mais vu que je trouve le stade de Super Saiyan super chiant à tenir, bah je prends tout le temps celle. Alors, ici, donc vous pouvez farmer, on lui casse la gueule. Crash Meteor, Big Bang Kamea, Kamehameha Fainté, Frappe Kamehameha, je sais pas combien Kamehameha Fainté. Sérieux? Ah oui, d'accord. Bon, ça te calme, Gignac. Attends, ulti, j'ai quoi? Super Kamehameha, Big Bang Kamehameha, Garde disparu, c'est tout. Et? Ok. Génial, c'est un quoi? Oh merde. Sérieux, tu sais pas te protéger, tarde. Il devrait avoir les dégâts que ça fait, putain. Je suis pas tant que ça. Ok, ça fait pas mal, ça fait mal du tout. Le but consiste normalement à le défoncer. Ah ouais, ok, d'accord. Sa tenue de carte est assez. Attends. Voilà. Ah ouais, super comme merde. Voilà. Donc quand vous l'avez à fin, est-ce que je... Ah c'est dommage, ça passe pas spawn. En gros, quand vous devez battre rapidement, donc c'est la mission 15. Si vous avez... Quand vous le défoncez rapidement, vous avez une chance qu'un... Comment merde, on appelle ça un... Ah, patrouilleur, voilà, arrive. Le patrouilleur, c'est en fait c'est, des persos créés aussi. Et vous le défoncez aussi. Et à la fin de la mission, vous avez une chance d'avoir des matériaux. Le matériau, c'est bien parce que vous pouvez avoir... Je vais vous montrer aussi directement des badges de Monsieur Satan. Et ça vaut basse boule. Mais à part donner du fric, ça sert à rien. Et sinon, vous avez une chance d'avoir un objet clé. Et c'est les objets clés, ben c'est les boules de cristal. Alors, cette technique avec Freezer, donc la 15, je la conseille seulement en fait si vous l'expé. Parce que j'ai gagné pas mal de levels. J'ai gagné 20 levels avec ça en fait. Et sinon, la technique la plus simple, la plus rapide pour farmer, je trouve, c'est donc vous allez dans tout. La 2. Allez, vas-y, charge mon neveu. Donc on y est. Voilà, toi. Et comment vous avez fait ça? Ici, le but c'est. C'est toujours avec les patrouilleurs. Dans le boule de cristal, enfin, en tout cas, de toutes les techniques que je connais, c'est avec les patrouilleurs. Alors ici le but c'est de défoncer partout de... Mais sérieux, tu tapes moins vite. C'est pas ça en fait. Toi. Voilà. Il est où le débile? Voilà. Voilà. Une fois que vous avez battu les 3 débiles, il y a le portail qui s'ouvre. Vous n'y allez pas. Vous scannez la zone. Voilà. Et en fait ici, vous avez une chance sur 3. Enfin, une fois sur 3, il y a un mec qui va, un patrouilleur qui va apparaître ici. Vous le défiez. Mais on va le faire jusqu'à temps qu'il apparaisse en fait. Ce sera plus simple. Donc vous faites réessayer, quand il apparaît pas, vous faites réessayer d'office. C'est simple et efficace. Je trouve que c'est la technique la plus rapide, hein, que je connais pour l'instant. Après si d'autres ont des techniques encore plus rapides, c'est quand même beaucoup d'options. Au revoir. Oh. Voilà, c'est mieux ça. Non. Bye bye. Kino. Voilà, portail comme d'habitude qui apparaît.
Vous scannez la zone. Merde. Voilà. Jean-Paul est toujours pas là. Donc hop, réessayer. Après, je me demande s'il faut pas prendre son perso en fait. Parce que d'habitude, je prenais toujours mon perso. Mais là, c'est la première fois que je prends un autre perso. Enfin, que je prends un perso du. Au moins, je comprends. Allez, meurs. 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 Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah ouais, donc apparemment, il faut jouer avec son perso. C'est étonnant. Attendez. On va faire près de sûr. Ok, c'était absolument pas prévu. Date fell. Regardez cette classe. Lunettes de soleil et tout. Incroyable, incroyable. 18, comme maître, sûrement pas. Enfin, mais bien, je prends toutes ces techniques. Du coup. Après ce fail monumental, parce que j'avais toujours eu. Une fois sur trois, enfin j'avais une chance sur trois fois, il sur trois resets, il apparaissait toujours une fois au moins, donc c'était qu'il faut le perso. Donc on va essayer ça tout de suite. Hop. Et je sais toujours pas aussi comment on fait pour mettre diverses tenues, parce que je suppose que c'était pour ça. Donc si quelqu'un est au courant, ce serait horriblement gentil. Oh merde. J'ai pris au hasard, j'ai pris le. Gohan quoi. Oh. Après. Allez, let's go. Calmez tout de suite, hein. Ça peut pas paraître plus. Allez, le chauffe, voilà, merci. Hop, scan. Il doit pas paraître à l'entrée, donc on chipote pas. Je sais pas si je suis en montée en fait, mais je me dis. Je préfère monter toute l'étape en entier si. Chauffe. Voilà. Mada Ah bah c'est sérieux? Si, techniquement c'est la bonne. J'ai envie de le faire et. Comme ça, j'ai eu la dernière, je crois. Voilà, bien. Le seul truc que je trouve là, c'est que. Pas extrêmement mal fait. Il peut plus passer. En fait, le perso qui est au-dessus de la CN2 par exemple. Mais il doit pas passer par le stade 1 pour y aller. Je trouve ça vraiment. D'un point de vue RP, je trouve ça horriblement dégueulasse. Clairement. Donc ça, c'est une des choses perfectibles du jeu. Et pourquoi il n'apparaît pas? Comment ça se fait? Bon, écoutez, je vais pas vous faire ça trop long alors, du coup. Je regarderai après. Donc, en gros, donc vous faites reset toujours. Et il apparaîtra là, c'est ça, vous le défiez. Et là, pas besoin d'aller au portail. Hein. Vous allez avoir au fond, en dessous de l'écran, merde, je vais pas le montrer, c'est pas comme un PC. Donc en plein milieu, plus ou moins où j'ai mes fesses là. Voilà. Vous allez avoir matériaux. Le premier message, vous aurez deux messages. Le premier message, c'est obtention de matériaux, quelque chose. Enfin, tout court. Et le deuxième, c'est vous allez soit encore avoir le même message, obtention de matériaux, soit obtention d'un. Enfin, vous avez obtenu un objet clé, blablabla. Si vous avez objet clé, c'est nickel, vous avez eu la boule.
Là, vous allez finir la mission en prenant le portail et bye bye. Et vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est basé sur la chance à mort. Donc, si vous n'êtes pas moulu, les 7 boules, vous allez faire 100 gains. Enfin, vous allez devoir reset 100 fois, quoi. Moi, j'ai bien dû faire. Celle de Freezer, j'ai bien dû faire à 50 fois pour avoir les 6 boules. J'ai obtenu. En fait, les 6 boules, je les ai obtenues rapidement. Franchement, globalement, en 20 coups, je les ai eues. Donc, à mon avis, j'ai chaté à mort. Et après, bah, la 7ème, elle m'a fait un gros. Vous voyez le doigt. En plein milieu de la main, là. Qu'on fait souvent. Enfin, qu'on peut faire à certaines personnes. Dans certains cas. Bref, illustration de merde. Bah, enfin, bref, on m'a fait ça. Et du coup, la technique que je vous ai montrée, je l'ai fait au moins une trentaine de fois pour avoir la 7ème. Et je l'ai eu relativement rapidement. Enfin, ça va relativement vite plutôt. Ventre. Alors, sinon le matériau que vous allez avoir, c'est ça, les badges. Et au final, j'ai eu ça en 50 fois environ. Et hop. Au final, 11 000. Ah, c'est chiant, on peut pas aller vers le haut direct. Y a pas moyen de passer directement en 13, bon, pas du tout. 30 000. Là, beaucoup mieux. 96 000. Bon, je ne sais pas qui nous sonne. Seb, Kuro, tu attendras 2 secondes. Je ne serai point. Je suis en pleine vidéo. Donc je fais une dédicace à Kuro du coup. Au passage qui aura plombé ma vidéo. Voilà. Donc en gros je me suis fait. Bah presque 200 000 boules, non? Oh, j'ai pas regardé combien j'avais avant. Ah, bref, on se fait quand même pas mal de sous quand on est un peu. Mais t'es dégueulasse! Mais t'es. Enfin, j'aime bien ta veste par contre. J'aimerais bien l'avoir, la veste de Trunks, mais. Du futur, mais j'arrive pas à l'avoir, ça me fait chier. Enfin, j'aime bien tous ces vêtements en fait, du futur, des Trunks du futur, ils sont super stylés, je trouve. Mais je n'arrive pas à les avoir. J'ai juste les vêtements dégueulasses de Trunks du JT. Qui sont horriblement dégueulasses. Avec sa veste trop longue et tout, tu ressembles à rien. Bon, ah oui, bah, quand on parle des vêtements du goût, voilà. Ces vêtements-là, je les ai, mais ils sont terriblement moches. Je suis à 17 minutes de vidéo. Après un fail monumental, sur une explication à la con, nous allons aller défier pour essayer de débloquer Goku Super Saiyan 3, je suppose. Je suppose que c'est lui qu'on va débloquer. Vu qu'on se bat avec, j'aurais dit que si je babou, sérieux. Ah ouais non, pour que ce soit mon maître. Non, merci, je ne veux pas que ce soit mon maître. Je suis dégueulasse. Bon allez. Pour l'occasion. En fait, je sais pas si je dois maxer les coups. Je préfère maxer les Super Kikoa, mais dans ce jeu, j'ai l'impression que c'est pas OP en fait. J'ai l'impression qu'en fait, le jeu, si tu maxes ton perso en dégâts physiques, santé et endurance, pour faire des TP partout, c'est juste ce qu'il faut, mais j'aime pas en fait. Ouais, non, tu sais quoi, allez, reste comme ça. Pour l'instant. Je trouve que jouer à Dragon Ball, tu peux. Voilà, putain. Jouer à Dragon Ball sans. Faire des attaques qui pètent de partout et tout, bah, je trouve ça triste. Autre point négatif du jeu, que je pensais. Que je trouvais, c'est que je trouve que d'un point de vue technique, on est proche d'un Tenkaichi 3. Et je trouve que c'est dommage que sur PS4 on n'est pas encore fou, mais Xbox, on arrive pas encore à avoir l'intensité des combats de l'anime. T'as pas cette impression de puissance qu'il y a tout qui pète partout et les attaques pètent et tout. Je trouve ça dommage, c'est comme le Kamehameha contre Kamehameha comme sur Budokai 3. Vous savez, on faisait tourner l'analogue comme des malades, on en a pété je sais pas combien de manettes, moi j'en ai pété quelques-unes. Je trouve ça dommage de pas l'avoir non plus. Ça rajoutait du fun, une impression puissante aussi. Ça c'est amélioré dans le jeu, donc je suppose qu'ils vont en faire un, hein. Vu que le premier fonctionne pas mal. Coucou, allez, attention à ce que je trouve la plus stylée. Bon,
Quand j'avais réussi level 50, j'avais réussi à battre les 3 premiers bouts, mais je m'étais fait complètement défoncer par les petits. Parce qu'après, il y a des petits gros bouts qui apparaissent. Cherchez les... Oui, je ne me demandais pas pourquoi. Et Goku se barre. Bien. Salut, mais... Le gros donne. Il est relou. Ouais. C'est aussi dommage, mes cheveux se les fait un peu plus. Allez hop, Super CN, on peut spam. Comme un gros bourrin ensemble. Voilà. Hop, on recharge un peu. Oh merde, oh merde, oh merde, merde. Bien vu. C'est lui, Madonna. Ah, t'as eu mal, hein. Hop, 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 hop. Prochaine. Merde. Je vais décharger mon énergie sur Super Saiyan 2. C'est tellement une misère de garder... Ok. Du coup, on a des tracts. Ça, je mens. Merci. Ah ouais, c'est con. Cherche, 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 cherche. Sans Goku s'occupe de toi. Il est chaud. La vie, il est pas si chaud. Hein. Il se faisait tuer. Moi. Sauf la dernière fois. Hop. Sérieux? Ah bah. On chaîne. Hein. Ok. C'est le pétard qui est. Notez que je change de titre, c'est le week-end qui gratis depuis. Ouh! Il est dur. Vous voyez en quoi c'est problématique? J'ai énormément de mal avec les fights. Avec plein de nerfs. Ah, il a pris la bombe ici, Trunks, tu sais compter. Ok, reste devant moi. Comme ça. Voilà. On va se spammer les ulti avec. Une fois t'appuies devant, bah. C'est plus rapide. Bon, c'est dégueulasse à voir. Hein. Allez, allez. T'en fais un roi. Voilà. En fait, une popo, c'est quand même plus simple. Mais... C'est pas que vous me saoulez, mais... Oh. Merde. Coucou.
Là, non, j'en ai avoir deux. Pourquoi? Il est mort. Il est full life. Hop. Salut, quand je disais dans les tests que les. Je me disais que la difficulté c'était mal joué et tout, enfin. Je vais pas aller dans le fait que c'est horriblement mal jaugé, mais en tout cas c'est difficile. Et les combats j'en ai quand même pas changé. Bon mais le gros. Les gros. Et le Goku là il se promène. Au moins il tape moins. Là, mets tout pour ça. Ok, le lag. Voilà, là il est mort. Merci. Sérieux? Voilà. Ils sont combien en fait? Mais sérieux quoi. Ça c'est le genre de truc qui peut rebuter certains parce que c'est des combats à rallonge en fait. Viens là, c'est qui le papa? Hop. Ok, peut-être pas. On se calme. Ok, il n'a pas voulu. Ouais. Oh sérieux? Train qui se mêle. Okay, là je crois que je peux pas peut-être. Merde, touche. Ça devient un petit peu compliqué. Oh! Merci! Bon, j'utilise une popopo et alors du coup. Non mais limite Moi ça va donner 6000 XP. C'est déjà ça. Non. Ils ont mis de l'humour. Impressionnant. Mais vu que j'ai déjà level 50 et que j'en chie et qu'il y a 80 levels, s'ils font enfin vu qu'on fait la saga GT et tout le bordel et quoi? マジンの紋章ということはやっぱり魔人何者ですか。そいつは以前も話したでしょ。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー
やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王子。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻？直接会えるのももうすぐだ。Il y a quand même un certain style. Il est bien dessiné tout le bordel. J'aime bien, ça va. Pour un grand méchant. 魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。Du coup, je suis à 31 minutes. Je vais arrêter là pour... Ok, d'accord. Oui.Bon, je vais arrêter là, donc en effet, c'est... Je t'entends, on se fait jarter, tu ne sais pas pourquoi, du jeu. Donc je vais arrêter là pour la vidéo. Donc déjà, je m'excuse un peu pour le petit fail à la con. Vu que c'était pas censé arriver, je vais retester directement, à mon avis, pour voir... si c'est simplement que j'ai pas eu de bol du tout, qu'il a jamais apparu, ou alors je ne sais pas la raison, parce que...Apparemment, la soluce, comme je l'ai dit, fonctionne pas pour Freezer, hein. Donc la soluce de Freezer, elle marche, mais celle avec Yamcha et tout bordel, normalement, elle fonctionne tout le temps. C'est comme ça que les joueurs les plus courageux ont chopé les 7 boules de cristal après des heures et des heures et des heures de farm. Donc, normalement, c'est censé fonctionner. Donc, à mon avis, j'ai juste pas chaté du tout. Mais vraiment pas, c'est la première fois que je chatais pas, en fait. Bah, bref.Du coup, on va se retrouver bientôt, bien entendu, pour une prochaine vidéo, sur mon Xenoverse encore, vu que je suis assez aimant de ce jeu. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous mettrai tout ce qui est lien de Facebook et tout ça, comme d'habitude, dans la description. Bye bye les bros, à la prochaine!